Hey bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege. Et aujourd'hui, comme quelqu'un me l'a demandé, je vais faire une vidéo sur Smoke, après le patch de la 5.2, il me semble, c'est le patch 5.2. Donc on va utiliser Smoke, en attaque on va utiliser Fuse. Et dans une deuxième vidéo, on utilisera Blackbird et Bandit. Et je pense faire ça pour les prochaines mises à jour. Bon, s'il y a un personnage qui a seulement un petit truc supplémentaire, par exemple Bandit qui à la place des fils barbelés a un bouclier déployable, je dis n'importe quoi parce que ça n'arrivera jamais, je pense. Mais si c'est ça, je ferai pas de vidéo dessus, hein, qu'on soit d'accord. Ça sert un peu à rien. C'est juste un ajout. Par contre, Smoke, donc aujourd'hui, Smoke et Fuse. Qu'on va voir ont été patchés. Alors Smoke déjà il a été patché sa grenade à gaz, voilà. On peut l'envoyer de beaucoup plus loin qu'avant maintenant, et ça c'est plutôt cool. Avant on l'envoyait comme un C4, comme une nitro. Maintenant on va pouvoir l'envoyer comme une grenade frag. Donc si vous jouez Sledge ou Capitao ou un personnage qui a des grenades frag, c'est la même chose pour le lancer de son gaz, sauf qu'évidemment son gaz se colle et il ne rebondit pas sur les murs, contrairement à une grenade. C'est la seule différence. Donc Smoke, comment je le joue? En général, je joue plutôt Objo. Mais ça dépend vraiment. Enfin, je joue pas énormément Smoke déjà. Donc les joueurs de Smoke avec cet ajout je pense qu'ils vont vraiment aimer cet ajout. Je joue pas énormément Smoke. Par contre, faut avouer que c'est plutôt cool. Les joueurs de Smoke doivent être plutôt contents de cet ajout. Voilà. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Star Wars. En ce moment, c'est plutôt Star Wars Battlefront vu que je suis allé voir Rogue One. Je dois avouer. Par où il a tiré? Oula, je suis mort. Ah non, même pas. C'est vrai que le nouveau fuse, il y a quelqu'un qui a besoin d'une charge. Je sens que je suis vraiment dans le caca. Alors lui il sort. Je vais mettre ici. Je suis un peu mieux ici. Dernier agent opt for. Ok, il reste plus que Fuse, il doit être à l'extérieur. MDR, le mec il a grave cru. Bon bah voilà. Donc maintenant on va utiliser Fuse. Alors Fuse lui il était beaucoup plus modifié que Smoke. Fuse maintenant, donc il a toujours ses charges à munitions, mais maintenant il va en avoir une de plus. Donc ça lui en fait 3 il me semble, ou 4. 3 il me semble, hein. Je crois qu'il en a 3 maintenant, de toute façon on va voir ça en jeu. Donc maintenant je crois qu'il en a 3, et en plus les grenades ont un plus grand rayon d'impact. Et du coup elles font plus de dégâts.
Du coup, maintenant, quand il y a un fuse dans la pièce, il y a beaucoup plus de chances qu'on meure. Bon, je suis pas mort quand j'étais smoke là juste avant, mais il y a beaucoup plus de chances qu'on meure. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite sur le patch. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui résume le patch Cherchez une 5.2 zone pour localiser une qui apparaît cible. maintenant en fiche et elle sera en fin de vidéo. Donc, où c'est qu'ils vont être? Attention, votre Ils drone a sont levé comme, une ouais, ils sont bombe. comme nous, ils ont l'air d'être comme nous. Alors, il y a du Cavera et du Capcan, il va falloir Poursuivez faire par la gaffe où on met fenêtre. les pieds et il va falloir faire gaffe à Cavera. Parce que si elle interroge, Secondes avant on est insertion. dans la mouise. Bon, je fais pas un gameplay de ouf, je préviens, j'ai fait juste une petite game juste avant et ça fait longtemps que j'ai pas joué à Rainbow. Enfin, longtemps, ça fait quelques jours. Désamorceur Déjà retrouvé. que j'avais Votre pas posé signal la est main passé sur sur le Rainbow. point d'alarme. Génial, ils se sont mis des balles. Ça commence bien. Le désamorceur n'est plus entre vos mains. Désamorceur rechargement. J'ai peur que ça me... Bah bravo avec sa grenade là. On peut pas mettre au-dessus? Ça c'est con. On va rentrer. Ah merde, il est en haut. Je l'ai entendu par là. Voilà. Une petite tasse, ça fait plaisir. Bon bah on fait que 2 kills, c'est pas ouf, mais au moins je meurs pas. C'est plutôt bien, je l'avais entendu. Puis j'ai visé direct la tête. Voilà, bonne petite manche, plus qu'une manche si on gagne. Je pense qu'on va gagner, hein, il n'y a pas de raison. On prend smoke, cette fois on va prendre la FMG9. Toujours la SMG11, hein, c'est un peu la base. Allez, on est parti. Jagger, Mute, Pulse et Bandit. Bandit, il est tellement bien. Vraiment ouf ce personnage, et puis sa vidéo elle est trop classe. J'adore. Le mec il fait j'ai travaillé sous couverture, j'ai dealé la Sécurisez drogue, la j'ai zone dû et tuer des défendez les gens, bombes. et j'étais tellement dieu pour ça que j'ai eu une promotion. En plus je l'écoute en anglais, mais c'est magique. C'est juste magique. Ce mec est trop classe. Puis Smoke aussi. Sa vidéo d'intro est tellement classe à Smoke, genre quand il marche dans le gaz et puis il dit faut ne pas demander, enfin demandez pas ce qu'il y a dedans, sinon je serais obligé de vous tuer. Puis après il fait non je rigole, par contre pour ce qu'il y a dedans, vaut mieux pas demander. C'est trop classe, j'adore vraiment. Au-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose ou c'est le toit? C'est le toit, d'accord. Okay. C'est vrai que cette map, elle est vraiment pas terrible. Alors j'ai toujours pas utilisé la petite grenade à gaz. D'ailleurs, on la lance comme ça maintenant. Vous voyez que ça se lance beaucoup plus loin. Avant, Smoke, il se donnait un peu quand même aux ennemis quand il balançait ses grenades. Maintenant beaucoup moins. Personnellement, j'aime bien utiliser les grenades Ennemis localisés par Hopfort.
Allez, leur bombe. Ah, ok. Ouf, la vache. Le pauvre. Alors là. On va en lancer une là, on sait jamais, hein. Mais... Par contre, la tête que je lui ai mis à l'autre là, c'était plutôt. Non! Il y a du sang, il y avait du sang sur lui. Alors, soit c'est après, soit c'est moi qui lui ai mis la balle et elle est pas passée. Ça, c'est un peu n'importe quoi. Bon, bah, je ferai du 3-1. C'est pas grave. Hein. Ils sont deux. Il y a deux contre deux là. Je pense qu'on va gagner parce qu'ils sont pas nuls. Sauf bah, les deux qui restent, ils sont pas nuls non plus, mais. Bon voilà quoi. Donc ça fait deux manches qu'on gagne. Ok donc. Il a mis sa nitro lui. Ah oui, il l'a mis sur le pot de fleurs je crois. Bah remarque s'il rentre, ça fait stresser le bruit de la nitro en général. On a bien joué, il n'y en a plus qu'un là. Alors la coque sur la MP7 est très instable. Si vous voulez commencer à jouer bandit, ne prenez pas la coque, prenez viseur réflexe holographique ou point rouge. D'ailleurs je ferai une vidéo sur les viseurs. Oh la vache. La petite tête. Je ferai un tuto sur les viseurs je pense bientôt. Parce que j'ai changé un peu d'avis sur les viseurs. Sur la killcam il était déjà parti mais bon. J'ai changé un peu d'avis sur les viseurs et j'ai envie de vous vraiment de vous montrer quel viseur est le mieux pour moi je trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Prochaine vidéo donc ce sera Bandit et Blackbird. Blackbird qui a été amputé mais vraiment maintenant on va beaucoup moins le voir je pense dans les games. Moi en tout cas je vous souhaite encore un joyeux Noël, bonne année si vous voyez cette vidéo après. Et puis bonnes vacances, hein, profitez bien. Il reste plus qu'une semaine malheureusement. Voilà, c'est vite passé quand même. Et moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre en commentaire ce que vous pensez du nouveau patch, du nouveau agent. Moi je trouve que c'est très bien. Fils est peut-être un petit peu trop OP en fait. Et peut-être un petit peu trop buff je crois. Buff c'est augmenté, nerf diminué, il me semble que c'est ça. Ou alors c'est l'inverse. Mais en tout cas il est peut-être un peu trop augmenté. Parce que en gros, bon là je m'en suis sorti, c'était pas un bon exemple. Mais des fois on meurt mais on peut rien faire en plus. Donc bon là c'est sûr qu'il va être beaucoup plus joué. Mais peut-être que si j'avais été les développeurs, j'aurais peut-être sorti un premier patch en augmentant la portée des galets que Fuse envoie. Voir si ça plaît à la communauté. Et si la communauté ne joue toujours pas plus Fuse, peut-être rajouter une charge mais pas les deux d'un coup. Je trouve ça un peu gros. Mais sinon c'est tout, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.